Est-ce qu'on songe combien de temps Minusta fait en Haïti? Si vous ne songez pas, je me rappelle. 2004-2017 fait exactement 13 ans. C'est sûr que nous tous qui là, quand vous regardez la vidéo, nous comptons le sénateur Yuri La Tortue. Eh bien, hier, 11 amis portaient un livre Femme Cadeau. Et dans le livre, ça, je ne suis pas caché, dis-nous. Je me fais des révélations, je vais être chargé. Est-ce qu'on te connaît, sénateur Yuri La Tortue, il y a une grosse accusation comme moun depuis 13 ans qui a fait trafic d'armes en dedans pays, depuis l'Afrique du Sud pour arriver à Haïti? Si vous ne connaît, restez là, on va joindre tout détail dans un moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Chanel Polan. TAC 609, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Mes amis, je vous encourage vivement à lire. Ah oui, m'encourage nous aujourd'hui acheter livre pour nous, les connaissances dans livre livre. Parce que j'ai des découvertes pour faire dans le pays, j'ai des nègres politiques pour déshabiller dans le pays, pour qu'on action à mener. Faut que son ancien autorité, faut que son ancien responsable. Dans l'organisation internationale qui pour bailler des détails sur yo. Eh bien, déjà, je m'invite à prendre une chaise de chita, m'bral bonjour. Bonjour, information et surtout, pas oublier partager la vidéo. Si vous faites tomber sur ce channel, courir rapide, vite, abonnez. Comme ça, vous êtes prêt à connecter, vous toujours qu'à joindre toute information, toute vidéo que vous avez pour poster. Je me suis dit, nous, là, sénateur Yuri La Tortue. Ancien sénateur, il passe président Sénat, il passe président Commission Justice Sécurité, il bon parcours dans le Parlement, il bon parcours dans le Sénat. Eh bien, je dis là, ensemble information, ensemble révélation, ensemble accusation, que le sénateur a dit, nous allons mettre le tout. Non seulement nous mettre le tout, mais tout, nous allons gagner occasion pour garder parcours. Nous allons gagner occasion pour garder et action dans le pays. Et comme ça, tout. On pral ka peser le pour et le contre pour qu'on est-ce que réellement est-ce qu'à l'avenir modèle moun sa yo, est-ce qu'à l'avenir dirigeant sa yo, opportuniste politique sa yo, est-ce que oui ou non nous ka bay pays a une chance avec yo toujours, est-ce que nous ka prend chance avec yo toujours. Nous ka wè là ouais les dossiers zombies. Ça c'est le livre là. Et qui est-ce qui écrit livre ça? Son ancien agent spécial nan Minusta Max Kell qui écrit livre ça. Et m'pas caché dit nous. L'homme commence le livre là. Tout plume sou comme lever parce que gros ensemble de formation a joindre sous autorité, soit homme politique, soit ancien président, soit ancien premier ministre, des hommes et du monde économique en Haïti. Et bagay tête chargé parce que ou pral jwenn pa quelques révélations sur ça qui gen pour avec dossier douane. Et depuis longtemps nèg yo contrôler dossier port en Haïti. Pour yon faire trafic d'âme, pour yon faire trafic de drogue, pour yon faire trafic de moun, cocaïne, tout bagay sa yon se yo. En 13 ans, pendant 13 ans ça, de 2004 à 2017, 13 ans, côté que Max Kell passe en Haïti, li fait des révélations, des découvertes, bagay fracassant net, bagay ki ka fore te bouche ouvri. Bouche bé parce qu'on pral saisi pour tande. Ancien sénateur de la République, jodi an la, ou ap tande, c'est lui même qui te gagné trafic zamni qui sorti depuis Afrique du Sud pour arriver juste en Haïti. Ou pral tande pour trafic zamni, pour le capran, pour le kamache, yo utilise couverture compagnie de sécurité. Et koun yo pral pose des toutes questions. Pour compagnie de sécurité qui est en Haïti, on prend le temps de mettre compagnie de sécurité ça. C'est des hommes et politiques pour la plupart, c'est sénateurs, c'est qui dans le secteur privé des affaires là. C'est des séries de monde qui influent dans le pays, c'est eux-mêmes qui gagnent compagnie de sécurité en Haïti. Et c'est eux-mêmes tout qui gagnent contrôle port en Haïti. Donc, on prend le poser cette question, effectivement. Ça arrive, nous trouvons dans une situation côté que nèg yo fait zam rentrer en dedans pays sans que autorité l'état ou pas que contrôle zam ça. Et bien dans le livre les dossiers zombies qui s'arrivait, nous trouvons dans une situation côté que ancien agent ministre ça, il fait comprendre non seulement Yuri La Tortue, li gen un trafic zam li t'a fait depuis Afrique du Sud pour rentrer en Haïti et trafic zam ça, lui même personnellement il a une chance pour louer différents cargaisons d'âmes qui rentrent en dedans pays. Non seulement les choses pour le différents cargaisons d'âmes, Yuri li raconte que personnellement,
li même ayouri yo pas vraiment yo pas de bon relation mais li té bon zanmi li té bon moun ki proche avèl ki té kon yuri et moun sa ki proche avèl ki kon yuri pendant tout temps ça yo la fait éloge pour yuri comme bon sénateur etc. mais c'est lèl pral découvrir que yuri nan cause trafic zam et pour yo utiliser pour yo faire trafic ça yo utiliser li utiliser compagnie de sécurité et sécurité nationale non bail comme ça. Donc dites tout bien par rapport avec insécurité qui va le terrain en Haïti, par rapport avec insécurité qui gagne en dedans pays ça tout temps nous temps des sénèg qui gagne ces anciens parlementaires, ces parlementaires en fonction, c'est eux même qui bail machine officielle, al prend bandi, al prend gang, nous pas oublier, nous pas oublier dossier qui te gagne avec Gracia Delva avec avec bandi ont tué avec Anel Joseph ont tué finalement. Yo te al pran lokay. Nou pa oublier dossier ça, dossier kidnapping qui on sénateur en fonction, li gagne soupçon sous dol qui pèse dans cause kidnapping avec un chef gang notre, chef bandi notre. Donc si Anel Joseph pat mouri jodi an, là nou pa konn kote, nou pa konn kote Gracia tapye. Pour moi tourner sur Yuri la tortue. Dans livre ça on fait connaître que Yuri la tortue, il y a deux types de âmes que livre la révélé. Que ancien agent ministre a révélé que Yuri la tortue prend plaisir faire sauter des pieds en Afrique du Sud pour entrer en Haïti qui a mieux 9 mm avec Galil. Donc et qui ça fait avec zam ça s'il vous plaît? Non seulement utiliser compagnie de sécurité pour faire zam dans passé mais tout zam ça finalement gen zam qui a joindre bandi gen zam qui a joindre chef gang. Gen zam ki alimante insécurité en davantage. Nous même nous chita sou rozèt, nous nou pa jam questionner, nous pa jam chèche information. Information yo la. Information yo la. Et ou pral trouve nou situation kote ke vérité en tellement et réalité en tellement devant yeux nous. Nous songe te gon scandale ki pété nan palais national kote ke gen zam Dimitri recommandé pour la paix pour USGPN et puis Zamzaro côté yo pral joindre Zamzaro Zamzaro al vann avec gang avec bandi donc pratique ça au courant de dans pays yo courant l'argent taxe nous l'argent est pour nous acheter zam et puis Zamzaro yo pral vann yo avec gang yo pral vann yo avec bandi en dedans pays donc faut nous prudent faut nous vigilant et l'homme j'ai information ça yo faut nous partager yo faut nous partager pour la république connait yo nous gagne du sel. Digital non causé à tout. Parce que Max continue à parler pour raconter détail, oui pour le bail détail. Qui s'acrive? Digital lui-même, il a contracté et il a contracté des hommes, il a payé moun qui pour bail sécurité. Mais moun ça il a payé pour le bail sécurité et des sécurités internationales etc. Qui est ce agent sécurité ça? C'est agent sécurité qui a même acheter zam ki bo zam yo gen pour yo servir c'est zam que national sécurité ba yo et c'est même zam za qui sorti Afrique du Sud donc que ce soit zam illégal que nèg yo fait rentrer en dedans pays yo que ce soit responsabilité yo mette sous dos bien accusation qui porté sous dos Yuri la tortue que ce soit jodi an la compagnie Digicel côté que Maxkel reconnaît qui utilise des agents contractuels internationaux qui ont même à bay building à bay et responsable Digicel sécurité moun sa yo côté rejoine zam c'est même zam sa yo qui rentre dans pays illégalement, c'est même zam sa yo que nèg yo a fait trafic avec yo en dedans pays. Donc, nous wè bagay yo, nous wè insécurité en dedans pays li met. Nous wè insécurité en dedans pays li profite avec un petit groupe moun. Ou pral di m jodi an, nèg sa yo lè ote kon ap dou, lè ote kon ap di et d'autres Jovenel Moïse là, c'est Jovenel Moïse qui kembe insécurité, d'autres Jovenel Moïse allé, insécurité a fini etc. Nous te pas c'est vrai, nous te quoi c'est vrai? C'est pas genre vrai. Yo te ba comme si yo te ba on ti alerte, on ti prémisse côté que si Jovenel Moïse parle tout bagaille pral aller bien. Et pour même al quoi yo? Jodi on même qui te quoi que si Jovenel Moïse parle tout bagaille était fini pé, la vie entra t'a pral rose, tout bagaille t'a pral belle etc. Ou en réalité, ou kidnapping dans multiplié par 10, ou insécurité en doublé.
où est gang fin prend pays, où est chaque quartier, chaque zone gangsterisé net allé, ou poser tête aux questions, je veux dire qui est-ce qui gen manette insécurité en amé yo, qui est-ce qui gen manette zam illégal en amé yo, qui est-ce qui gen manette fait munition illégal entre en dedans pays, parce que récemment m'a regardé une vidéo ISO mon cher. M'a regardé ISO avec zam, avec balle sous les chaînes, balle li sous les, tout nan fenêtre, tout nan zam, bagaille tête chargée. Quand des zam ça repasse pour y rentrer en dedans pays, qui est-ce qui fait zam y rentrer pour y rentrer dans pays? Donc on pral comprendre très bien, on pral comprendre pertinemment bien. Jodi an la nèg sa yo qui c'est directeur port en dedans pays, qui c'est directeur douane, yo gen responsabilité en insécurité. Il y a des responsabilités dans la sécurité. Moi, je ne vais pas admettre aucun directeur, aucun port en pays. Il faut comprendre que, ok, il y a fait éloge, douane cumuler un paquet d'argent, je vois l'argent, et il y a fait plus bénéfice, etc. Question bénéfice nous fait dans la question taxe. Pareil que ça pas gardé. Mais ça gardé aujourd'hui là. C'est comment faire Zama Bala pour entrer en dedans pays, à passer dans le port. Sans que nous pas contrôler pour arriver dans mes gangs, pour arriver dans mes bandits, à si mes deuil dans ta population. Nous tous nous la réalité aujourd'hui là. Tout petit jeune gens, tout quartier populaire yo ces âmes, toute zone en dedans pays ça, Port-au-Prince gangsterisé net. Des séries de zones où te connait les quartiers résidentiels, là te connait prend Pétionville là, en zone posée calme, ou de frère en zone posée calme, Pernier, en zone moun yo te connait dou Pernier c'est et son zone poussière, zone misère etc. Jodi en Pernier gangsterisé, posez-toi toute question. Posez tes questions pour qu'on côté zam ça va pas sortir et surtout le n'a pas approché le bral dou élection moment élection pral arriver c'est pire parce que gagner nèg sa qui besoin prend contrôle parlement nèg sa qui besoin prend contrôle municipalité mairie nèg sa qui besoin jouer influence pour prendre contrôle la présidence yo tout yo gang par yo. Yo tout gang par yo y a chauffer souterrain jodi on pral comprendre réalité qui gen là. Nèg sa yo, nos hommes politiques, nèg sa yo qui nan politique, parlementaire, député, sénateur, magistrat, président, premier ministre, whatever statut yo genye en de d'administration publique là, jodi an, son paquet, on paquet nèg qui yo même complice dans insécurité nou gen la. Yo participé dans créer instabilité nous gen là parce que la réalité est telle dans l'île ça les dossiers zombie tellement gen causé franchement allez sur Amazon c'est pas publicité m'a fait pour livre non mais réalité en l'île là ça m'a plié en vlo l'île tout pour comprendre ni parce que nous prenons un paquet mafia quoi élection va arriver là nèg la passé toute existence ya mettez am en dedans commune en dedans département la mettez am dans quartier populaire créer insécurité en dedans pays ya la insécurité a gérer l'argent pour yo acheter zam encore pour yo bay gang parce que on pral dim nèg ça pas bénéficier kidnapping on pral dim nèg ça pas bénéficier violence qu'a fait en dedans pays ya et pourquoi pas et business zam yo pas marcher business zam yo gen là en dedans pays pas marcher. Depuis ce nèg qui gen machine qui gen accès pour gen machine officielle en dedans pays là. Yo tout yo gon business zam, mon business. Yo tout yo facilité. Yo c'est des facilitateurs pour insécurité en oui. Yo tout a ba insécurité à j'arrête parce que nous toujours tendez. Gang nan pour sauver bandi pour sauver côté le passer dans machine officielle. Côté le passer dans machine officielle. Pour quantité sénateur député nous tendez qui impliqué dans dossier. Tout yé moun, nan dossier kidnapping. Bon, moi franchement, l'opre sénateur Kedler Augustin, ge prop chauffeur qui prend micro la presse matin, midi soir, dénonce comme moun qui kon participe nan zak malhonnête, li kon voyal fè zak malhonnête pou li, etc. Jodi an, l'op attendé on juge. Ou pas attendé on juge, ou pas attendé gon dossier ri ouvert pou l'el pa de sénateur encore. Ou pas attendre aucune disposition pour. Ou pas attendre aucune disposition pour. Avait dit li gen droit. Nèg yo nan droit yo pour yo créer insécurité, nèg yo gen droit yo pour yo faire zam rentrer dans pays an, yo gen droit yo pour yo vendre zam illégal dans pays an et puis après kou même ou choisi ou dénoncer yo, kou même ou choisi mettre et révélation ça yo au grand jour pour tout public là. Well, ou te gen ton cible. Ou te gen ton cible à battre. Yo geta siblo, talè lò pral tande et se diffamation a fait sou de yo. Talè pral tande yo kadou se diffamation. Alors que vérité en mè yo. Yo non liv.
yo non un livre, toute information yo là. Et d'ailleurs, depuis le lisage aussi, pour qui ça tout non ça yo, homme politique, homme d'affaires, tout non exao qui cite dans la corruption de dans pays là, pour qui ça n'exao, yo pas jamais tenté aucune action légale, aucune poursuite légale pour yo dire que Max Kell c'est menti la fait sous dos yo. Et ça pisse. Quand Max Kell fait bagarre la pi bien, c'est là il dit comme ça, ce n'est pas une fiction. L'île ça va plier, c'est pas une fiction, c'est pas l'imagination qui travaille. C'est la vérité pure point et simplement. Li côtoyer nèg pendant tout temps ça le fait en Haïti avec ministre. Li connaît nèg yo, li bail nèg yo faveur. Donc toute action nèg yo, li connaît, li mettel sur un plat aujourd'hui pour vous, pour moi, pour payer. Et faut nous avili nèg yo, faut nous dire exactement ça nous ouais, ça nous jeune comme information. En façon pour la République pas prendre manger ça yo, dans rejet ça yo encore. Nous pas ka fin manger nèg yo. Si nous vomi, nous pas ka retourner là-dedans encore. Élection a bien pour faire, faut nous prudents, faut nous vigilants. Nous pas qu'à retourner avec même modèle moun sa yo, même modèle corrompu sa yo pour nous retourner avec yo nan figi nou. Dernier coup pour tout yekoukou, hein? C'est le Max Kell révélé que même Youri la tortue ça, même honorable sénateur ça, li a essayé reconnecter relation trafic cocaïne, trafic stupéfiant gen avec groupe. Qui groupe la valasse ça? La Valasse 2004. Même groupe La Valasse, ça, yo te vin bote Aristide voye la, yo vin implanté Mission Nations Unies, ministre en Haïti, qui vin ba nou choléra, qui vin créer un paquet de problèmes en dedans pays. C'est même groupe La Valasse, ça, pendant que nèg Abdou yo se démocrate, anarchiste passe yo bagay, démagogue passe yo bagay, yo dou yo se démocrate, yo dou yo se nationaliste, yo dou yo se patriote, etc. Yo bo toute version jodi an la pou ka accepter, pou ka comprendre, pou ka accepter que y a fait travail pour pays, y a fait travail pour peuple, y a fait ceci, y a fait cela. Comme on se connait la même, nous non pays qui tête en bas comme ça, nous non société qui divisée comme ça, nous pral admettre que un monde qui représentait tout un département, qui représentait des milliers de compatriotes haïtiens, et vous pral admettre révélation ça yo, moun nan et comme si de rien n'était. La justice pas enquêté. On juge pas ouvrir une enquête pour chercher indices, pour chercher des éléments de preuve. Comme si Negro, c'est tout puissant dans la République. C'est tout puissant dans la République. C'est des intouchables. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, faut qu'Haïti change. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, je dis en là. Que le La Valasse, que le SDP, que le Fusion, que le Vérité, que le Uniforce, que le Ariel Henry, que le PHTK, que le pas combien, que. Quand t'es tout ensemble, tout nèg ça aujourd'hui là qui font alliance, même là où nèg yo bataille entre yo, c'est maniguet. Bluff ya ba nou. Yo fait alliance entre yo, yo tout bon seul objectif, dépouiller pays ya. Dépouiller de richesse nous, dépouiller de l'argent nous, dépouiller de tout ça qui a contribué à bien-être nous, à développement avec stabilité en dedans pays ya. Donc n'a quitté yo fèl? N'a quitté yo fèl? Gardez la vérité. Jodi an, tout le monde faut comprendre. Autorité, il faut comprendre. Gagne sécurité, pas qu'à gagner élection. Mais gagne sécurité, pourtant, gagne carnaval. Nous avons dit l'emmenant, nous avons mis ça. Gagne sécurité, pas qu'à gagner élection. Parce que vous programmez en transition dans FIF, vous programmez en transition dans WEL, que vous voulez, que vous ne voulez pas, Ariel, la prend décision, li pral nan rencontre internationale. Très bientôt, la gagne pour aller dans une rencontre CARI comme a fait, li pral représenter Haïti. Et nous là, il y a prend décision pour nous, dans FIGI, nous, et puis nous-mêmes, nous tolérons les nexaros à la conférence, les nexaros à faire rencontre, nous ne pouvons pas faire figure du pour nous chiter devant eux. Jamais. Pas un nex là qui sous scène politique là, qui va dire moi-même pour me chiter devant, pour m'attendre le capra blabla. Ma garde, ma perdu ton garde des téléphones moi. Mais chiter devant nexaros, oh non, jamais. Ça, il t'a pour insulte pour tout effort parent me fait parce que jodi an là, on pas ka nan complaisance ça. On groupe nèg, nous conscience yo k'ap kazon pays, c'est yo k'ap créer insécurité, c'est yo k'ap favoriser insécurité en dedans pays. Nous pas ka privilégier yo, nous pas ka ba yo en faire éloge pour yo, nous pas ka ba yo gloire. On nous quitte on paquet anarchiste nan micro. On paquet démagogue nan micro k'ap rele tête yo grand directeur d'opinion k'ap fait gorge, k'ap fait gorge, fait mal pour gomme si.
Alors que nèg sa ou visa a fait, nèg sa ou se mikou a vann, a liquide, etc. C'est promotion a fait pour instabilité, c'est promotion a fait pour insécurité, c'est promotion a fait pour la mauvaise gouvernance. Moi même pas ka rentre tête mon la donne. Donc quand il faut y aller, il faut y aller. OK? Donc jodi an la, information sa ou, révélation sa ou, c'est un point. C'est un plus. C'est avancé, n'a avancé. D'autant moi, m'a continué avec lecture. Hein? D'autant m'a continué, j'ai des révélations. Et n'a pas été informé. N'a pas continué, là, n'a pas continué. Bien avant, nous prenons pause moringa. N'a pas tourné après. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate. Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal cap permettre allonger peni ou bal longue ou vle pour mon ouvle. Gain bande si on comprimé cap permettre gain bon gens endurance sexuelle. Wow. Pour plus d'informations, relez dans 514 886 97 76 ou bien visitez site là www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mal gains outils à comprimé gain bande, mesdames, c'est mariage seulement y a demandé. Toujours dans l'idée pour nous aider à comprendre dans quel contexte conflit ou bien encore guerre russo-ukrainienne ça a éclaté. La fait actualité je dis là, toute station virée, toute radio, tout journal sont causé guerre qui éclaté entre la Russie avec l'Ukraine. Eh bien je dis là dans l'émission, nous avons consultant qui pral expliquer nous, nous avons expert en relations internationales en politique qui pral expliquer nous qui contexte guerre là prend naissance. Qui enjeu qui gagne jodi an la, que ce soit enjeu politique, géostratégique et même économique, que guerre ça qui oppose la Russie avec Ukraine gagne sous pays. Et d'ailleurs, c'est un habitué de l'émission. Moi, gagne avec moi là, docteur James Joseph. Bonsoir, docteur James Joseph. Bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Bonsoir. Yannick, bonsoir, auditeur. C'est un plaisir pour me laver nous à soir, ça fait longtemps. Il n'est pas maintenant, très longtemps. Barrainer tout ça, fait en pile, pas en pile. Et chaque monde a une position vis-à-vis du conflit ça, en fonction de connaissances qu'il y a de lui. Et en pile, pas en pile, qu'a fait tout, soit haïtien qui prend position pour la Russie, parce que haïtien ça c'est mon gars vivre aux États-Unis, des qui même naturalisé américain, mais cependant nous n'y a pas à comprendre comment que nous faisons position pour la Russie. Pareil là, c'est une question de Russie, une question de Ukraine, ça c'est politique internationale grande puissance, ça c'est politique internationale impérialiste, ça c'est même bagaille guerre froide là qui a continué toujours et qui est généré en conflit ça. Et ou pas qu'à comprendre si toutefois ou pas qu'on est qui ça nettoyé. Et on connaît, faut aller plus clair pour le public là, on dit netto là ou plus en anglais. Et docteur James Joseph, ah, netto, salotaï. Autant, yes. Salotaï, organisation du traité de l'Atlantique Nord, ok. Premier, raison pour que on connaît qui salotaï. Exactement. C'est tout le monde, là où ici, ton gros pays qui entrait. Non, si pays qui pas fait rien. C'est ça que tout le monde voit. Oui, tout à fait. Et ça, ça a montré tout le monde. Et c'est ça, nos médias, dans Occident, pays Occident, c'est genre ça que les médias ont présenté. Mais réalité, c'est pas ça que y est. Qui sa réalité, docteur Joseph? Tout d'abord, c'est 4 ans après la Deuxième Guerre mondiale, côté que nous connaissons la Deuxième Guerre mondiale, l'Américain est en dernier de la guerre.
entré en dernier dans la guerre, pendant que le Japon a gagné, écrasé derrière le Japon, pendant qu'il a gagné une bombe Nagasaki, qui vraiment sous Nagasaki avec Hiroshima, qui va arrêter ça, en principe, qui t'a donné un crime de guerre. Il y a un, qu'on y a, il vient de hégémonie sur le monde et il prend initiative pour contrôler l'Europe là. Et dans la partie Europe là, où il y a la Russie lui-même qui toujours a tenu tête jusqu'à présent, et c'est celle lui-même qui résistait à plan Woodrow Wilson, qui a gagné depuis 1916 là. Pour que tout pays européen représente yon popet, yon marionnette dans ma américain. Et après, 4 ans après la Deuxième Guerre mondiale, yon relè traité ça que nous relè l'OTAN, son traité qui fait à Washington, aux États-Unis. Yon pas relè encore le traité de Washington, mais non primitif, non préalable. C'était le traité de Washington. C'est un traité qu'ils ont fait le 4 avril 1949. Okay. Pour qui ça, qu'ils ont fait traiter ça? C'est juste contre la Russie. Ça, un peu le monde ne connaît pas ça. C'est pour la Russie même qu'ils ont fait traiter ça, pour empêcher que la Russie par agrandi territoire en entrant plus sous l'Europe. Pour qui raison le cœur ça? C'est parce que depuis la Première Guerre mondiale, il y a un bon pays qui te fait partie de la Russie, qui te forcé la Russie à abandonner le pays. À l'époque, nous avons URSS, Union Soviétique. Oui. Nous avons l'Union Soviétique. Quand hier, au commencement, que te sa te gen 12 pays qui te le la fondé en 1949, c'est 12 pays qui te fait. Nous déjà connaît un pays qui est en tête, c'est les États-Unis. Et traité. Après, et depuis les États-Unis là-dedans, ou papa ou Canada, ou papa ou l'Angleterre, mais ou te plus l'Angleterre, le Royaume-Unis. Ou te gen Pays-Bas, ou gen Luxembourg, ou gen la Norvège, l'Italie, tout pays ça, ou tout est entré qui te constitue 12 pays qui. Par le distance pour y arriver en 1982, 12 pays ça, est arrivé à 16 pays. C'est après, ou bien la Grèce et la Turquie qui viennent entrer. L'Allemagne est entrée en 1955. Même période ça, l'Allemagne est entrée en 1955. Là, la Russie créée, leur force pour contrebalancer l'OTAN qui aurait le pacte de Varsovie. Oui, tout à fait. Ok. Négio, Manigans, l'Ouest, ils arrivent à écraser l'URSS. Donc c'est un combat express. Oui. Quand il y a ça qui passe, ou bien le renversement du mur de Berlin, ou bien dissolution de l'URSS, tout ça en fait même année. 91, si je ne me bats pas. 91. En mars 91, ou bien la fin du pacte de Varsovie. En décembre 91, où il y a une dissolution la Russie. Depuis 89, on a déjà eu la chute, le renversement du mur de Berlin. Qu'on y a, avec bagay ça, qui vient faire que bipolarité qui te gagne dans le monde, qui vient convertir en une monopolarité, parce que les États-Unis, c'est l'équipe qui vient mener seulement. Allô? Allô?
Non, perdu, Dr. James. Allô? Ok, 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 ok. M'tendo là. Ok. Ok, comme ça que nous avons dit, nous disons qu'après le renversement du mur de Berlin, côté les deux Allemands, ils viennent faire un seul. Côté avec la dissolution de la Russie, le pacte de Varsovie vient pas gagner nécessité encore parce que la Russie perd du force. Exactement. Qu'on y a, vient arriver en 1990, parce que par où ça a répété, c'est le 10, on est capable de dire que c'était le 9 février. Le 9 février 1990, où il y a une réunion qui fait, réunion faite entre Gorbatchev, lui-même c'était secrétaire d'État américain, où il y a un Allemand qui était là, un chancelier allemand, qui ont été les Helmut Kohl face à Gorbatchev. Côté que c'est pas des promesses que vous faites, parce qu'il y a encouragé pour écraser la Russie. Il faut garder ma place. Naturellement, nous faisons ma place vraiment. Ma place est extrêmement important pour te présenter. Parce que toute partie noire qui est dans ma place, qui est dans ma place, qui est à l'ouest, c'est là seulement où tu es un pays de l'OTAN. Où est tout côté qui est un bon petit numéro, où tu es où? Chaque numéro, c'est un pays. Pourquoi tu es un pays? Nya moun yap gade yo la tou. Moun yap gade yo la. On ka explique yo. Ok, ok. Ouè ou, parti noir, parti noir, c'est tout pays l'OTAN. Sou gade la Russie à l'est, parce que la Russie c'est un très très grand pays qui à l'est, qui prend des pieds en haut net, descend juste en bas. Ou gen trois pays en face, ou gen Biélorussie, ou gen Ukraine ou bien Crimée. Tout le pays ça, où est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tout le pays ça, pour compter rien. Ok. Tout le pays ça, pour compter dans l'OTAN. Pendant ce temps, je promets la Russie. Yo pa jam pran aucun, yo pa jam entrer ou bien annexer aucun pays ou bien accepter aucun pays vienne entrer dans l'OTAN encore parce que y a pas trop près la Russie et son problème que la pied. Quand tu es dans réunion le 9 février. Lendemain, le lendemain quand voyage du soleil. Là de Moscou pour les assurer Gorbatchev encore que il pas de chum avancer vers l'est. Donc quelque part la Russie a besoin garantie de sécurité non mais autant que yo pas jambe bali yo bali dans bouche mais au fait yo pas jambe bali dans bouche c'est ça il pas formel vraiment. Il pas formel c'est pas par un traité c'est pas par une convention au moins naturellement que ou connaît type de monde ça yo quelque soit conversation qu'on a fait qui on récolte. Exactement. Yo recordé, yo t'ai enregistré conversation. Mais conversation qui t'ai enregistré, c'est plus conversation qui t'ai faite le 9 février. Mais li t'ai grand pile promesse là dans que yo t'ai fait la Russie, parmi promesses ta yo, c'était yo nan promesse que yo t'ai pas pu avancer même yon pouce vers l'est. Il n'y a pas de prendre nouvelle territoire. Bah, la fin fait vraiment égal la Russie crasée, même si la Russie, l'URSS crasée. C'est ça fait dans ma place. Il y a vrai qu'au pays, manque de l'OTAN avant 1997, ça signifie que nous avons 16 pays. Parce que nous avons 12 membres fondateurs. Après 12 membres fondateurs, on vient la Grèce, la Turquie, on vient l'Allemagne. Le dernier qui est rentré, c'était l'Espagne, en 1982. De 1982 jusqu'à 1999, il n'y a pas jamais rentré personne. Et en 1990, il y a eu fait promesse là. De 1990 jusqu'à 1999, il n'y a pas personne qui n'a pas rentré. Mais puisque ouais, la Russie perd sa force, la Russie, vint d'un coup, il y a un bel sauvage qui va gagner dedans.
Quand il y a profité de faiblesse la Russie, et c'est là, ça, en 1999, où il y a la République tchèque qui commence à entrer, la Hongrie vient d'entrer, Pologne vient d'entrer. En 2004, c'est là où il y a un pan qui est entré, jusqu'à ce que nous venons arriver à 30 personnes qui font partie de l'OTAN, malgré tout, la Russie, pas j'en dis rien. La Russie vient d'en croire au monde que il a tout fait là côté hier. Pas oublier pour qu'il ait fait l'OTAN. Il a fait l'OTAN contre la Russie. Contre l'URSS. Il a fait contre l'URSS. Si vous n'y a pas de l'URSS encore, et pas de Varsovie, elle pas existé encore. Et c'est même genre raison d'être autant pas existé encore. Si vous n'y a aucun bel, c'est parce que quelque part, et vous voulez finir avec le pays qui est là aussi. Est-ce que c'est comme ça pour nous faire tabloïd là? Oui, c'est là parce que une bonne monde qui va écouter, qui pas comprendre ça que nous disons. Comme si. C'est système communiste la Russie, système façon que vous te concevoir concevoir bipolarité qui est dans le monde qui est écrasé côté que vous n'avez pas deux forces encore, c'est une force qui gagne. Mais pays la Russie, on nous considère tant que la Russie et l'URSS, c'est tant que c'est même nous. C'est comme ça pour le peuple à comprendre. On ne va pas entrer dans la sémantique, dans le détail, dans le concept US, et c'est là aussi. Tout à fait. Mais, Roman, je dis là. C'est-à-dire que son pays, c'est à coup les États-Unis, ils ont fait une crise, ils ont payé d'entrer dans les États-Unis, ils crasent le système capitaliste des États-Unis, les filles côté que les États-Unis ne viennent pas gros nègres encore. Et que qu'on y a, c'est la Chine qui a fait un exemple. Mais les États-Unis sont toujours demeurés. Je dis là, docteur Joseph, par rapport avec crise, ça, par rapport avec guerre ça qui déclenche, et comment est enjeu, comment balancer, que ce soit enjeu économique mondial ou bien enjeu géopolitique qui vient pour avec Ukraine et précisément Occident. Son bagage peut pas oublier Poutine son stratégie. Poutine, c'est un monde qui fait un lien comme ça. Poutine est déjà arrangé parce qu'il connaît, il a pas mis des sanctions économiques sous lui. Ok, il est arrangé avec la Chine. C'est-à-dire que même les qui ont mis des sanctions ne font pas avant rien. Hein? Et après les esquis, Ukraine là, il dit qu'on s'est étendu pour pas des sanctions, il dit c'est pas sanctions, mais je vais mettre sous la Russie, c'est indivision, puis vous pouvez m'accoucher. Parce que sanctions, on va voir. Parce que la Russie est en train d'organiser dans ce sens-là. Deuxième aspect qui est encore, même les, que les États-Unis viennent mettre des sanctions, mais sanctions, pays européens, ouais. Étudier chaque sanction, l'une après l'autre, parce que l'intérêt que vous avez en Europe, ce n'est pas intérêt ça, que les pays d'Europe n'ont pas le même intérêt avec les États-Unis. Ok. Et comment on comprend l'intérêt? Ok. Par exemple, aucun gaz naturel que c'est la Russie qui sont ces détenteurs de gaz naturel dans la zone et qui approuvent l'Europe. Ok. Si toutefois que vous mettez en sanction côté des pays européens pour ne pas acheter gaz naturel dans la Russie, mais vous même tout avez souffert de ça. Important. Parce que je dis la guerre ça qui oppose le pays, ça, et sanctions ça reprend et contre la Russie, là, il y a un paquet de répercussions économiques, que ce soit sous pays et européens, mais également tout en République dominicaine qui a acheté là. Non mais Russie gon pa kèt l'autre pays. Je dis par rapport avec conflit ça, toute priorité au sens c'est rivé contre carré Ukraine. Mais puis gaz naturel là qui est monté, et lui-même c'est un produit transversal ligne, c'est pas des l'autre bagaille qui est commencé à monter dans zone là, nous commencé à prendre l'envoi déjà. Même stock market tombé tout. Mais c'est le stock market qui est tombé depuis hier.
C'est du jamais vu. Moi lis que depuis en 2014, l'annexion de la Crimée, c'est depuis le ça, oui, prix et gaz naturel de monté en Europe de l'Est précisément. Moun yo pas comprendre ça passé. Parce que la Russie était obligée à annexer la Crimée. Parce que il y a Biélorussie, même du Biélorussie, Biélorussie lui-même il pour aussi. Kounia, il y a Ukraine, il y a la Crimée. Les gens qui t'en prévoient déjà, il y a fait des manigances à chercher ouais qui stratégie qui ont été gagnées pour y'ont fini prendre Biélorussie, pour y'ont fini prendre Ukraine, pour y'ont fini prendre Crimée. Déclaration qui est en fait déjà depuis le sommet de Bucarest là en 2008, quand on a décidé pour la Géorgie, pour l'Ukraine, pour être capable de venir membre. La Russie mandé pour obtenir une garantie formelle. Il n'y a pas de problème que l'Ukraine. Il y a un membre de yo, mais l'Ukraine pas entré là-dedans. Parce que ça, vous ne pas comprendre, parce qu'il y a deux connotations. L'air que vous-même, vous acceptez comme un membre, ou pour entrer dans l'OTAN. Mais, vous avez possibilité pour venir entrer. La Russie pas un problème, ça, mais dans la mesure que. Lui-même, il parle au membre de l'OTAN parce que ça n'est qu'il fait, l'OSOE, principalement les États-Unis, il utilisait les pays de l'Europe pour qu'il mette une série de armes nucléaires dans la zone. Ouais. Sous direction aussi. Oui, parce que toute frontière. Parce que là, oui, c'est une frontière avec mon temps. Depuis, par exemple, l'Ukraine là. Depuis que l'Ukraine est entrée, il y a une ambassade américaine qui est dans l'Ukraine. Tout pays côté ouais, tout pays noir, c'est pays côté qui est base américaine, oui. Tout pays ouais, y aurait les bases l'OTAN, mais c'est américain. Donc je dis en là. Sauf à toi, américain, contrôler les zones. C'est servi avec pays ça, t'as marionnette puis qui a contrôlé la Russie. Ben oui, tout à fait. Donc guerre ça que Vladimir Poutine déclenche là, son guerre non cadrée entre guillemets, son guerre préventive pour contrôler sécurité pays. C'est ça. Parce que il vient de nos points sécurité la Russie menacée vraiment. Sécurité la Russie vraiment menacée. Pour que tout pays, tout système nucléaire, ça y est, qui est dans la zone. Enfant guerre déclenchée dans la zone. Les États-Unis ont envoyé 3000 soldats en plus de ça qui ont été gagné en Pologne et en Roumanie. Oui. En plein guerre. Il voit autant. Yo. Il voyait près de 8500 soldats qui déjà paraient pour combattre dans la zone. Il voyait 200 millions de dollars d'armes qui sont anti-chars, missiles anti-aériens dans la zone. Il autorisait notre pays, l'OTAN. Pour le cas de l'Ukraine, depuis ces armes qui étaient faites aux États-Unis, nous le mettons par l'Ukraine. Ou bien la Grande-Bretagne. Tout le monde sait, il y a 2000 missiles anti-chars et il y a près de 400 000 personnes qui sont déjà campés dans la zone. Imaginez, pour les bagages, pour ne pas prendre l'initiative. Moi, les États-Unis sont d'accord pour que les gens viennent là en bas, bouchent là pour venir tomber, mettre tout missile ça, mettre tout soldat ça en bas, bouchent là. Bon, mais n'a pas un exemple, c'est n'a pas un Cuba ou bien Venezuela qui s'est allié et allié aussi. Est-ce que le temps que j'ai accepté là, est-ce que c'est pas bataille qu'on fait de manière à ce que pour là aussi, pas j'aime venir planter tête nucléaire ni dans Cuba ni Venezuela? Parce que bataille là, c'est pour paraître plus près ennemi, vous comprenez? Donc, voilà, parce que c'est ça qui est lié à la guerre, ça relève la guerre de la paix des cochons. Ouais, tout à fait. Sous Kennedy, parce que les gars, ils s'est envahis, parce que la Russie fait alliance avec la Russie.
qu'on y a la Russie après mettre une base nucléaire en Cuba. Les États-Unis prennent l'initiative pour envahir Cuba. C'est ce que Kennedy dit. Mais n'est-ce pas pour calotter encore parce que c'est bataille là, ben des cochons. N'est-ce pas, c'est manger. Et là, ça, si ma problème, même gouvernement américain, il était là, il était là, dans le dossier, ça. Il pas trop connaître. Parce que là, ça, on oublie d'entrer pour parler avec la Russie, avec Cuba et tout le bagage, etc. Pour cramper, puis on va obliger les gens à attaquer Cuba. Et la Russie dit, il ne peut pas mettre un lien nucléaire. Tout pays, tout le monde est d'accord. Pas oublier, depuis que. La Russie, pas de moyen de faire battre comme ça. Parce que la Russie lui-même, c'est besoin de montrer l'Union européenne et les pays de l'Ouest, il fait qu'on est pour pas financer avec. Parce que sécurité intérieure pays est, il peut pas négocier. Même gens que ici, où ils ont toujours tout America first. Poutine, il faut qu'on ait la Russie first. Oui, tout à fait. Chaque monde a défendu le pays. Le président ukrainien, il prend le sud-talking. Parce que les États-Unis ont servi avec eux. Ils n'ont pas rendu compte que les États-Unis ont servi avec eux. Et que lui-même, qui ça l'a fait, l'a gonflé pour un pli. Il a fait des déclarations jusqu'à ce qu'il vienne trouver dans le pétrin. Il pensait que Nekio t'avait entré vite goumé pour lui. Nekio font calcul parce que guerre c'est tout signé. Tout n'est qu'à entrer, fait dans le compte, dans qui sens que l'après bon pour lui. Comme que l'a dépensé à comment l'après entré. C'est extrêmement important pour vous. Zelensky pas fin droite quand Zelensky t'a fait penser que Occident a pris une bataille pour alors qu'on pas fait partie de l'OTAN. Il pas fait partie. Au début, mais vous pas connaît comment parce que c'est yo qui a poussé. Ou pas chita là et ouais que même congrès la France matin m'attendé yon nan nèg yo il tout comme ça que pareil ça a pas de sens et moment que on mandé pour l'Ukraine entrer là même l'Allemagne était campé il dit comme ça que à partir du moment que nous fait ça c'est stabilité mondiale que n'après attaquer parce que là aussi pas ka d'accord ça évidemment bon pour aller plus loin m'a regardé candidat français à Zemmour lui-même li prend position formelle par rapport avec guerre ça conflit ça qui oppose deux pays on dit que la Russie lui-même la Russie et non seulement son guerre préventive li entamé là mais tout la Russie attaque li elle paraît légitime parce que li pas aucun pays prend d'accord et Vladimir Poutine pas d'accord que toute tête nucléaire ça pour pointer sur la Russie alors que si on vient si États-Unis ta mette ta foure Ukraine nan autant koun ya lè ou vin mette un homme nucléaire en Ukraine seulement quelques secondes yo déclenche un missile la 4 minutes nan combien de temps et la Russie pral ka évaluer missile la porter missile la pour arriver pour ta di la déjouer missile la donc je dis là comme si gros paquet monde qui ouais et tractation subterfuge que occident yo a fait là aujourd'hui par rapport j'ai à utiliser Ukraine mais en pile monde pas veut dire en pile moun pa vle di moun yo peur di pour une raison bien pour l'autre parce que ça qui beaucoup plus important pour les États-Unis pour pays de l'Ouest yo c'est l'Ouest yo ta arrive mettre la Russie à genoux mais la Russie vient venir au point que il pas quitter sa fête il pas quitter sa fête les Zelensky si on regarde réellement parce qu'il déjà dans guerre déjà. Il déjà dans la guerre, il a déjà commencé à maltraiter déjà. Il s'est demandé, mais il commence à shooter tout sur le pays autant. Il dit, mais là, qu'il y a un bac d'aide. Ben oui. Il n'y a pas tant qu'il connaît un bac d'aide.
Et yon pa ka vin ede vraiment, parce que si yon vin ede, yon pa bon pou yon. Parce que la Russie getan di yon déjà, parce que la Russie pa, se pa sou blok la Russie. On pe, on. Nous n'y a pas de sou blok la Russie. Le la Russie di de kontinan yon, ki ta pren initiative, entre dans bagay la, la fe yon fon expérience ki yon pa jom fe nan tout histoire pays. La Russie gen Satan. La Russie pa sou blok. Li gen tèt nukleyèr hypersonik, mon chè, nèg la pare pou yo. Et c'est ça que fè. Militaire, la Russie c'est première puissance mondiale liée actuellement. Parce que m'apprendre ça, yo di en terme de zami personik sa que la Russie gen États-Unis pour qu'on développe. Lui a essayé à plusieurs reprises, mais au pour qu'on arrive à gagner des amis personnels. Pourquoi arriver là? Parce qu'il est tellement rapide, vingt fois la vitesse du son. Oh mon Dieu. Vingt fois la vitesse du son que pas qu'il y a aucun antimissile qui a intercepté. T'as chargé, mon yo. Et ça fait occidental, il a poussé pied là, il a poussé con parce que ben là-bas, je vais là-bas bon. Autre la ma question. Nous fractions de seconde, il a pulvérisé la France. Bon, pour qui? Non, ben, y a pas sérieux, non? Je dis, là, si on peut imaginer une guerre, là, on a parlé de la troisième guerre mondiale, quelquefois, mouri. Pense que pour qui ça? Si on peut imaginer une confrontation, je dis, entre États-Unis et la Russie, c'est déjà la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité. Donc, et pas d'autre côté de où on a. C'est la fin de l'humanité, la fin de l'humanité. Deux pays qui gagnent tête nucléaire, qui gagnent missiles, ça y est. Nous pas où gagnons nous là qui do organisation Nations Unies. Et pour ouais, même organisation ça qui là pour mettre et pour faire promotion la paix dans le monde, qui sont c'est là pour faire promotion unité mondiale, etc. Ouais, même yo participe comme si. Mais non, mais dans même organisation ça aux États-Unis. Organisation des Nations Unies, c'est les États-Unis. Eh bien, c'est ça, Bradjo. Comme si c'est États-Unis érigé en maître du monde. Donc, pas gagné qui a fait sans que le pas dit mot parle. L'incontournable. Franchement, Dr. James, c'est fuck. J'ai l'impression que tu as repensé gestion mondiale là. Bah, yo pas jouet là même. Et, mais vite dans l'émission aujourd'hui là. Parce que le problème là, Boulia, c'est les États-Unis. Les États-Unis, lui-même, il n'a jamais satisfait ces problèmes dans ça. Et il n'a pas accepté pour qu'il y ait une balance dans le monde. La Russie entre dans l'Ukraine, qui tout prêt. Côté sécurité, la Russie menace tout le monde. Ça, tout le monde est capable de la sécurité, la Russie menace. Pour qu'il n'y ait pas là. Mais l'autre guerre qui fait là. Parce que, écoutez, d'abord, vite, mais en détail avant que nous finissions. Depuis 1990-99, toute déclaration qui a fait que l'OTAN pas nécessaire. Encore, l'OTAN obsolète, l'OTAN surannée, l'OTAN désuète. Nous pas besoin de l'OTAN dans le monde. Mais l'OTAN, pour justifier l'existence, il a toujours provoqué la guerre. C'est ça qui paye l'Irak, guerre Irak, c'est ça qui paye guerre Libye. La provoquer, li provoquer, non seulement provoquer, li créer, et à travers l'autre pays qui a lié l'yo, donc li fait guerre interposée. L'île la fait guerre interposée, États-Unis a fait guerre interposée, et puis yo, à travers Nations Unies, toujours d'où, il a fait promotion la paix. Donc, moun sa yo, nou pa ka comprendre sa yo vle vraiment. Allô? Allô? Il dit tout pays l'OTAN yo, il autorise yo bah Ukraine zam qui manufacturé aux États-Unis. C'est industrie armement qui fait cop. Ben oui, tout à fait. C'est ça lié. N'y a pas égaré. C'est industrie armement américain qui fait cop. Bon, au final. Oui. L'OTAN de Kinect, vous voyez, depuis enfant, vous voyez 200 millions de dollars d'armes qui ont anti-char, qui ont missiles anti-aériennes, vous avez embêté dans zone. Tout ça, c'est industrie armement américain qui a fait quoi? Guerre, c'est l'argent.
Et puis après, yo présente la Russie comme bête noire. C'est ça. Mais ça que mon Europe, il faut que vous réveillez. Les États-Unis pas faire guerre sur territoire. Et pas ça, et pas seulement mon Europe, yo, non qui besoin pour réveiller. Je veux dire mes haïtiens, oui parce que moi m'a regardé gros paquet monde et yo pas expert en relations internationales, yo pas expert en politique étrangère, mais je dis alors à toute gars opinion, OK, tout le monde ka gros opinion, mais maîtrisons le sujet, ça aussi expert, ça aussi consultant la matière, c'est ça que fait je dis là. On a une émission pour expliquer moun yo, pour aider moun yo comprendre ça qui a passé et en Europe dans moment là. Et l'important pour moun yo comprendre réalité qui gen là, c'est pas seulement une question de oui qui sont gros pays entre dans petit pays parce que c'est comme ça ouais tant qu'on gros pays entre dans sinon c'est pas ça y est seulement parce que l'enjeu c'est problème là c'est pas Ukraine problème là nous gen l'impression problème là c'est plus parce que moun la qui était là avant Zelensky en 2014 là même était pro Russia. Pochenko. Et m'a demandé si c'est pas manigance ça n'est qu'au même qui vient faire que ces nèg ça vient mettre au pouvoir justement pour yo ouais si yo kataka taka annexé même si annexé pour si yo ouais que yo te yo yo nèg qui te ka faire propagande pour faire Ukraine entrer dans l'OTAN. Mais c'est Occident qui voye pour Pochenko aller. Mais c'est ça. Ça qui est là, Kounia. C'est ça, mais ça, ce n'est que Occident, Koumé, pour faire pour pouvoir en Ukraine. Pour que vous ayez atteint, pour que vous ayez agenda. Donc, pour nous finir, Dr. James, il faut qu'on explique mon yo très clairement que c'est pas un gros pays qui a malmené un petit pays, mais c'est non seulement son question de son problème de sécurité pour la Russie, mais et si nous étendons beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, c'est sécurité mondiale même tout que la Russie a défendu. Parce que je dis, si autant, si Russie... Mais c'est sécurité mondiale, là, parce que si nous arrivons à mettre la Russie dans nos situations, pour que il arrive à affronter les gens. Parce que les gens se font payer pour que ils payent l'OTAN. Même par accident que ils ont mis le gars tombé dans le pays l'OTAN, pour que ils soient capables de déclencher une guerre qui est beaucoup plus grande envergure. Quoique, en principe, vraiment, il n'est pas aussi facile, genre que nous pensons. Hein? Parce que même là que tu as entré dans le pays l'OTAN, l'autre pays l'OTAN, il faut retourner la CAO pour demander aux députés, sénateurs, la CAO, est-ce qu'ils sont d'accord pour payer l'entrée? Ben, ils ne peuvent pas courir entrer automatiquement comme ça. Ok. Et nous, là, nous suivons l'actualité, nous suivons le déroulement. Et crise ça qui oppose deux pays yo et ou là c'est sûr que ou dispose ou disponible pour aider public là comprendre et ça qui a passé en Europe dans moment là. Donc c'était un plaisir docteur James Joseph pour m'te gagner en émission et rendez-vous pour l'autre fois. Le plaisir est pour moi. Merci bien. Merci. OK. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h. Suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi